Bonjour à tous, donc aujourd'hui petit tirage de runes pour les scorpions pour septembre, octobre, novembre, décembre 2018. Donc j'ai procédé au tirage avant et puis voilà, je vais vous dire un peu ce qui se passe et je vous donnerai sûrement un complément à la fin parce que j'ai fait des recherches, ça vous apportera un peu plus de réponses. Alors, pour septembre, pour les scorpions, on a tiré Berkana. Alors, Berkana, c'est encore une fois une célébration familiale ou une naissance d'enfant dans la famille ou encore un mariage pour soi-même ou quelqu'un de proche. C'est le début d'un cycle, une naissance, voilà, croissance, mariage, possibilité de stagnation aussi ou de divorce. On parle aussi au niveau santé de maladie pour les femmes. Donc peut-être qu'il y a des scorpions qui sont enceintes, qui auraient peut-être des petits soucis, ou encore qui ne sont pas enceintes et qui ont des problèmes, on va dire, d'ordre gynécologique. Les hanches, les reins, c'est aussi une rune du secret. Donc peut-être qu'il y a un secret. Vous avez un secret, les scorpions, et peut-être que ce secret va peut-être sortir. Voilà, donc c'est plutôt positif parce qu'elle a été tirée à l'endroit, donc on reste positive. Mariage, bébé, naissance, peut-être qu'il y aura aussi des obstacles qui vont disparaître. C'est vraiment au niveau de la santé, de la fertilité, naissance. Donc c'est assez général. Alors j'ai tiré Odin. Alors Odin, c'est pas vraiment une rune, mais bon, elle a été tirée pour les scorpions. Donc c'est quelque chose qui doit se produire forcément. Alors est-ce que c'est justement cette histoire de mariage ou de naissance? Affaire à suivre, parce que jusque-là, voilà, je ne sais pas. moi qui est scorpion pour l'instant, ça me parle pas plus que ça. Peut-être mariage, on sent plus, mais voilà. Ensuite, donc pas grand chose à dire du coup pour le mois d'octobre. Pour novembre, on parle peut-être d'un héritage matériel ou moral, ou encore un bien familial. Ça peut être aussi bien une propriété que de l'argent, voilà, c'est vraiment... Et ça peut être aussi au niveau, et donc héritage des difficultés à ce niveau-là. C'est vraiment, voilà, on vous dit que c'est vraiment un des gains monétaires, c'est don, héritage, cadeau, enfin voilà, possibilité de perdre des choses aussi en même temps. Et au niveau spirituel, au niveau de la santé, on vous dit de faire attention à tout ce qui est maux de poitrine, du cou, du dos et encore du cerveau. Voilà. Donc peut-être des maux de tête ou des maux de poitrine. Peut-être aussi au niveau des os, peut-être aussi voilà, au niveau des du cou, des cervicales, tout ça. Donc peut-être que vous travaillez peut-être trop ou peut-être que vous portez trop et on vous dit de faire attention quand même à tout cela. Je donnerai plus de précisions ensuite. Au niveau donc de cette rune qui a été tirée à l'envers pour le mois de décembre et qui est Iwaz, on vous dit de faire attention au sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, faites attention aux hommes. Si vous êtes un homme, faites attention aux femmes. Peut-être que justement au niveau de l'amitié ou de l'amour, cette personne n'est pas aussi passionnée que vous, vous y attendez. Et peut-être qu'il y a un ami aussi qui pourrait interférer dans cette relation. Donc possible qu'il y ait voilà, une histoire de triangle. Il est possible que aussi au niveau du boulot, il y aurait quelque chose qui ne tournerait mal. Peut-être parce que vous n'avez pas prêté attention et que vous n'avez pas voilà, fait peut-être un manque de... Comment vous dire?
manque d'envie, voilà, peut-être que c'est dû à ça et que du coup, ben, ça tombe à l'eau. Donc, à voir aussi au niveau de votre travail. Faut faire attention au niveau de la santé, sur le système lymphatique et sanguin, notamment aux artères, la rate et le plexus solaire. Donc, peut-être penser à vous faire un petit décrassage des chakras. Peut-être aussi également un problème avec la loi. Donc, je sais pas, un problème avec la loi. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. C'est sympathique comme tirage. Pour Berkana, en complément, cette rune, elle symbolise la guérison et indique qu'il est temps de prendre un nouveau départ. Peut-être le passé, il appartient au passé. Il faut que vous tourniez la page et qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant. Des nouveaux commencements sont en route et vous devez d'abord prendre soin de vous, les scorpions, pendant ce mois de septembre. Donc pensez un peu à vous parce que là vous donnez trop aux autres et là vous allez finir en mode de torchon carpette. Et il est temps vraiment de vous dire stop, tu prends soin de toi et justement en prenant soin de toi, plus tard tu pourras mieux prendre soin des autres. Odin, ben, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui doit se produire forcément. Au niveau de Otala, cette rune, elle symbolise un renforcement des liens familiaux. Donc encore une fois, on vous dit que ça peut être autant par un mariage ou un enfant. Ou encore qu'un lien familial doit être guéri. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes ou des quiproquos de fait dans votre famille ou de dit, voilà. Et que peut-être que voilà, ça va être guéri, que les choses vont s'améliorer. Et on parle aussi, encore une fois, d'un héritage ou de l'acquisition d'une propriété. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Et ensuite, Tiwaz. Où voilà, donc Tiwa, voilà, cette rune symbolise le devoir et la discipline, qu'il est temps de faire attention aux détails et d'étudier les choses de plus près avant d'aller plus loin. Ne soyez pas prompt à prendre une décision ou à prendre des mesures. Indique également que vous avez besoin de temps de repos et de guérison. Donc, les scorpions, va falloir se poser un petit peu. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tirage de runes vous a plu. Merci encore de visionner et d'être de plus en plus nombreux à venir sur la chaîne. Merci et à bientôt.